Perché sur les contreforts de l'Hindou Kush, à 2500 mètres d'altitude, la ville de Bamiyan est la mère patrie des Hazaras, un des peuples qui composent la diversité ethnique de l'Afghanistan. Une cité à l'abri du monde, dans un pays ravagé par les conflits depuis 40 ans, dans lesquels les Hazaras ont payé un très lourd tribut. Persécutés souvent pour leurs convictions religieuses et chiites, ils subissent toujours la pression des talibans, qui considèrent leur mode de vie tolérant vis-à-vis des femmes et leur amour de la liberté comme impie. Ces mêmes talibans, on s'en souvient, avaient dynamité en mars 2001 les statues de Bouddha qui dominaient la ville. L'autre grande attraction de la région, également considérée comme non conforme dans le reste de l'Afghanistan, c'est la pratique du ski. C'est Christophe Zucker, un journaliste suisse bloqué dans la région en 2010, au cours d'un reportage, qui eut le premier l'idée de créer le club ainsi que le challenge de ski afghan. Très vite, il a communiqué sa passion à Sajad et Alisha, qui aujourd'hui dirigent le club de ski et organisent une compétition chaque année. Fait unique en Afghanistan, à Bamiyan, les femmes peuvent faire du ski. Parvenues en haut de la montagne, elles peuvent enlever leur voile, laisser flotter dans le vent leurs longs cheveux noirs et goûter à une liberté qu'elles ne rencontrent nulle part ailleurs. Les moyens restent rudimentaires, voire dangereux. Une moto reliée à une brouette fait office de remontée mécanique. Des skis faits de simples planches en bois auxquelles on a fixé du plastique pour glisser. Les montagnes sont aussi très enneigées, les cols abrupts, et donc les avalanches sont très fréquentes. Mais le ski reste le symbole par-dessus tout de la liberté. Le temps d'une descente, on oublie les talibans et tout ce qui menace le paradis blanc de Bamiyan. La menace qui pèse sur Bamiyan s'est récemment rappelée au bon souvenir de ses habitants sous la forme d'un attentat sur le marché de la ville. Les Hazaras ont décidé de reprendre les armes qu'ils avaient conservées depuis leur lutte héroïque contre les talibans. Nous sommes partis à la rencontre de leur seigneur de guerre, Abdul Ghani Alipour. Pour accéder à son refuge perdu dans les montagnes, nous nous sommes fait passer pour des amateurs de ski de randonnée, en quête de sensations fortes dans les cols de l'Hindou Kush. La ruse a marché pour déjouer les checkpoints gouvernementaux. Par chance, nous n'avons pas croisé ceux des talibans. Discrétion oblige, Alipour nous a reçus dans une modeste maison en pisé, avec un poêle à bois au milieu. Le chef Hazara est très pessimiste sur l'avenir de l'Afghanistan. Il critique en particulier le gouvernement, qu'il perçoit comme corrompu et inapte à susciter une réconciliation nationale. À ce titre, les Hazaras continuent d'être considérés comme des citoyens de seconde zone et Alipour comme un ennemi, alors que le gouvernement et lui combattent en théorie le même ennemi, les talibans. Si les minorités restent privées de droits dans ce pays, alors les talibans vont reprendre le pouvoir, nous explique-t-il en conclusion.